Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter, enfin en gros je vais vous aider sur Minecraft. Donc en fait c'est une aide dans le jeu, en ligne en fait, voilà. Donc du coup là je vais, c'est juste un petit décor, un fond de décor, hein. On va mettre difficile, c'est parti, comme ça on va voir ce que ça donne difficile. Alors du coup... Bah là on est des fous. Non, pas ça. Ça, ça on s'en fout, on va pas sauvegarder. Ouais, c'est parti. Donc du coup... Oui, ça je m'en bats les couilles. Non, j'ai dit je m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Tu sais ce que c'est dire, je m'en bats les couilles? Oui, mais ça je m'en fous. Oui, ça je m'en fous aussi. Voilà. Ils me font chier des fois. Oui, donc du coup. Oula, ça met longtemps à charger, dis donc. Hein. Ah putain, trop habitude de Call of. Oui, donc du coup. Je vais vous aider sur jeu. Donc pour tout ce qui est succès, hein, par exemple tuer le l'Ender Dragon ou des trucs comme ça. Donc du coup, je vais vous aider à faire tout ça. Et ça, comme ça au moins on va pouvoir... Putain, il faut faire chaud, attends, c'est chaud. Ah putain, j'ai plus l'habitude de jeu. Ta mère, lâche-moi. Donc du coup, ouais, je vais essayer de vous aider pour tous les jeux, donc il suffit de me demander, hein, donc je mettrai mon gamer tag sur... dans la description, putain. Ouais, c'est trop dur comme ça. Donc bah ouais, je mettrai mon garde-tête. Donc je suis juste sur Xbox 360 pour l'instant. Je suis pas sur autre chose. Mais je sais plus quel succès il y a exactement. Il y a tout plein de succès, hein, des petits succès pas très compliqués à faire. Donc ça va. Et en gros, j'ai tout préparé à l'avance. Ah merde, j'ai mis classique. Bon, je m'en bats les couilles. Et donc du coup, je pourrais vous aider, donc que ce soit pour les succès de base, hein, ou même les plus gros succès. Par exemple, le cochon, voilà. Tu vois, par exemple, bon, on pourrait découvrir les biomes. On pourrait donc terrasser Ender Dragon. Ça aussi, à la limite, aussi chez Willy, vu qu'on va tuer l'Ender Dragon. Ça, on pourrait le faire aussi. Construire une table d'enchantement, tout ça, voilà, miner les blocs, machin, les squelettes, voilà, enfin bon, tout ça, ouais, on pourrait y faire assez facilement grâce au niveau que j'ai fait spécialement pour ça. Donc je vous le montrerai juste après. Je voulais juste vite fait vous montrer ça. Et si vous voulez me dire ce que vous en pensez de ça, là, si vous trouvez ça plutôt bien et que vous voulez que ça améliore, bah. Je ferai en sorte que ça améliore. Mais bon, pour l'instant, je suis bien content. Mais ça fait longtemps que j'ai pu toucher. parce que je croyais en moment. Pourtant, j'étais chaud à le faire, mais j'ai abandonné un peu l'idée. Je sais pas pourquoi. Bah, on avait envie de jouer à autre chose, de faire autre chose. Enfin, bon. Mais en tout cas, si vous aimez bien le concept, bah, j'essaierai de faire en sorte de l'améliorer, de le faire durer plus longtemps. Donc, du coup. Du coup, on va bon, on va juste voir la fin de ce niveau. On va récupérer un peu de bouffe quand même. Parce que... Et ici, tout... Et non, non. Ils vont me tuer, ils vont me tuer. ouais, donc putain, il faut que je m'équipe. Ça va qu'il y a une nouvelle mise à jour. Hop, on peut s'équiper comme ça directement. Bon, après, vous pouvez toujours tricher et aller voir directement dans les distributeurs. Voir ce qu'il y a, mais bon, c'est un peu. C'est complètement con, quoi. Dans ce cas, autant se mettre en mode créatif et ça va plus vite. Et donc, du coup, là, c'est les poubelles, hein, si vous voulez savoir. Hop, vous les jetez, hop, la poubelle. Là, on a des bonus. Attends, je vais les récupérer vite fait. Putain. Putain, ils disent pas ce que c'est, donc. Ah d'accord, je sais ce que c'est ça.
Ça attaque plus fort, ok. Non, merde. Ah, tu vois, du genre les petites bêtes comme ça. Pas enfin bon, moi j'aime bien ce concept. Au moins, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Hein, si vous mettez en facile, en normal, en difficile, tout ça. Et donc, du coup, c'est plutôt mal. Donc là, je vous conseille de. Enfin, je vous conseille non, parce que vous y jouez pas, mais en tout cas, le mieux c'est de récupérer l'XP. Et comme ça, au moins après. Bon, vous pourrez améliorer vos armes et tout. Enfin bon, je pense que il y a moyen de faire bon avec ça. Il y a moyen de faire un gros truc. Ouais, moi j'en suis sûr après. Hop là, vous aurez de quoi pouvoir brûler ça, tout ça. Enfin, ça va être plutôt pas mal, je pense. Ouais, une petite épée. Petit cochon. Toujours plaisir. Ok. Alors, soit c'est terminé, soit j'ai laissé un petit laps de temps pour me mettre des choses. Enfin, je crois que c'est terminé. Je sais plus. Ah voilà, non, j'ai laissé un laps de temps, le temps de pouvoir. Merde. Ah putain, non. Putain, j'ai l'habitude de Call of, du coup forcément, ça fait n'importe quoi. Ah donc là-bas j'ai mis du charbon. Ah non, 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 toi tu me touches pas, toi. Ouais donc putain, allez, faire foutre. Donc voilà, j'ai mis du charbon pour. Oh, c'est chaud là, c'est chaud. Ah non, voilà, plus avec le. Juste un seul archer comme ça, et bah voilà. Et bah voilà. Ouais, donc vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal, donc ça va pas vraiment plus loin. Ça va pas vraiment plus loin. Mais ouais, enfin, moi je trouve le concept plutôt pas mal, donc si. Si vous voulez que ça améliore et que je fasse mieux, même si vous avez des idées de quoi mettre pour la suite, pas de soucis. Donc je vais juste vous montrer. Attends, je vais tuer les zombies là. Je vais vous montrer parce que là je crois que c'est la dernière vague que j'ai faite. Ah putain. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Bien, moi je m'en fous, je déglingue. C'est bon ça. donc du coup. Putain, arrêtez, arrêtez. Sans moi je vous pète la gueule. Tiens méchant. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai mis dans les trucs, mais je crois que je dois recommencer le niveau. Ah. Je suis bon pas chier. Donc là c'était le dernier, et puis là je crois que j'ai rien mis. Voilà donc je vais juste vous montrer vite fait. Ah, donc pour ceux qui voudront pas regarder ça, hein, je mettrai une option sur, enfin, je mettrai un petit onglet au début dans la vidéo pour vous passer ce moment-là. Mais bon, de toute façon, hein, ils m'entendront pas ceux qui voudront pas regarder ça. Bon, et on va mettre en mode créatif, tout ça, on s'en bat les couilles, voilà. Donc du coup, je vais juste vous montrer. Voilà, donc je vous aide pour Minecraft, du coup je. J'en profite, tant de faire la vidéo, de vous montrer mon petit niveau. Et de. Bah, du coup, de voir un peu ce que vous en pensez. Donc, déjà pour commencer. Pour commencer, il y a celui-là, là. Donc, vous voyez, ça fait apparaître 5 zombies. Une petite vache pour pouvoir manger. Et du cuivre. Donc, il y a celui-là aussi avec, je crois. Ouais. Voilà. Donc là, poulet, zombie, tout ça. Et celui-là, je crois qu'il y est pas. Si, il y est, non. Ah non, ça, c'est celui d'après. Ah, donc ça, c'est celui d'après. Donc après, il y a ça, voilà, vous voyez. Hein. Avec un peu de poisson d'argent, je crois aussi. Voilà, donc avec celui-là. Donc, ouais, ça en ouvre plusieurs suivant les vagues et tout. Donc, toujours à la suite, hein, voilà. Les vagues se déroulent à la suite, comme ça. Et donc, du coup, dégage. Donc du coup maintenant on va voir là. Donc du coup là tu vois j'ai fait un petit truc assez long. En fait c'est un truc histoire de voir en gros je vais faire. Enfin je fais avec ça vous voyez. Merde. En gros ça fait perdre du temps on va dire à la redstone, enfin à l'électricité de pouvoir passer, donc ça lui fait perdre du temps. Et du coup ça me permet de contrôler le temps des vagues, tout ça, donc c'est plutôt pas mal.
Donc on va voir comment ça fonctionne. On fait ça, donc là ça active. Donc là ouais, ça fait un système de, bah, de, je sais plus comment ça s'appelle, de répétition. Et donc du coup après bah ouais, ça va activer tous les trucs, voilà. Donc vous voyez, non, ça active où? Ah ouais, mais je crois que c'est en dessous pour l'instant. Enfin bon, c'est un truc de fou, quoi. Ça active de partout. Donc du coup ça met du temps, et puis le temps que la vague se fasse, tout ça. Après ça active une autre vague, donc c'est là, hop là, puis après, enfin bon, ainsi de suite. Pour l'instant je crois que j'ai fait trois vagues, ouais. Ah, j'ai fait trois vagues pour l'instant. 3 ou 4, non je crois que j'en ai fait 3. Enfin bon, mais le truc c'est que les vagues vont durer plus ou moins de plus en plus longtemps, donc. Donc ouais, suivant ce que je dois faire, des fois ça peut être sur plusieurs étages, hein, vous voyez. Enfin bon, c'est vrai que comme ça, vu comme ça, c'est un peu compliqué, mais bon, quand on fait au fur et à mesure, c'est un peu plus simple. Donc du coup, bah. Ouais, c'était pour vous montrer à peu près ce que ça donnait. Malgré qu'on comprend rien. Et donc du coup, bah. Hop, voilà. Donc du coup, bah. Vous voyez, après, il y a les zombies, tout ça qui apparaît. Ah, zombie village, je vois. Voilà, donc bon, un petit système assez sympathique. Qui peut donner, je pense, un bon niveau quand même. Quelque chose d'assez évolué. Ah, donc ici, il n'y a rien ici. Ok. Ah, donc l'Oak Vague, et après, elle arrive ici. Hop. Sûrement les trois là. Donc, ouais, donc c'est plutôt. Enfin, hein, je trouve que c'est un, enfin, ouais, une arène. Hein, de toute façon, c'est une bonne arène. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'assez. D'assez sympathique à faire, voilà. Après on peut faire aussi plusieurs niveaux. Par exemple, on reprend le même niveau mais on met différentes troupes, tout ça, voilà. Après suivant ce qu'on veut faire, ça peut être pas mal. Donc là ouais, j'ai mis des petites potions, en fait c'est juste pour aider comme ça, tu vois, pour avoir des petits bonus, quoi, vers la fin par exemple. Si enfin il y a un moment ça commence à être dur, on peut l'utiliser, notamment en difficile, que ça c'est plutôt dur. Donc là j'ai mis des potions de santé, tout ça. Bon, après vous pouvez l'utiliser au début comme vous pouvez l'utiliser à la fin, mais bon, vaut mieux les garder le plus loin possible pour s'aider vers la fin, parce que je pense qu'à la fin je vais faire quelque chose de très très compliqué. Ah oui, c'est vrai, les enculés, la mise à jour, ces fils de pute. Ouais, donc du coup bah il faut que je donne ah merde, faut que je donne du lapis lazuli. Donc déjà il faut que je change quelque chose et que je donne une lapis-azurille. Ah, donc faut vraiment que je me mette à jour tout ça. Par contre c'est quoi ce truc? Un machin, deux machins. On va voir vite fait ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est. Ok. Bon, on prend la pub pourrie. Bon, normalement on a besoin de rien d'autre. What? Donc du coup normalement je mets mon épée. Est-ce que je peux par exemple? Bah voilà, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ah, peut-être parce que je suis en. Bon, je vais essayer avec une autre épée. Merde. Ah bah non, attends, j'y vais. Hop là. Ah ouais, mais est-ce que. Putain! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en survie. Non. Voilà, donc, voyons ce que ça donne. Putain, bien sûr, j'ai rien du tout. Si j'enlève ça, je peux ou pas? Ah non, tu vois, on est obligé. Une unité de la pile d'azurite. Ok, non mais attends, non, je rigolais. Non, arrête. Connerie. Ok, donc il faut que je mette du lapis lazuli pour pouvoir améliorer ça. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Vas-y, casse-toi. Ça, vous pourrez améliorer quand vous voulez, au niveau que vous voulez. Merde, mais non, je fais n'importe quoi. J'ai tellement l'habitude d'appuyer sur les joysticks avec Call of que. Enfin bon, allez, dégage toi. Voilà, méchant, méchant. Regarde, tu te mets là. J'en suis sûr que t'es invincible. Y'a moyen, non? Ah non, tu te fais bloquer. Ah, quoi que les fourmis, elles. Enfin, les araignées. Ok, oui, bon, c'est bon, je rigolais. Bon, c'est pas grave. Ok, donc maintenant. Donc voilà, on va. Attends, mais bon, oui, ça, je m'en bats les couilles. Faudrait pas que ça sauvegarde, sinon j'ai le démon. Donc du coup maintenant je vais vous montrer le niveau qui va être pour tout ce qui est succès, tout ça. Donc ouais, c'est ça. Je suis un grand fou.
Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc bon, c'est pas extrême, hein. Je me suis pas fait chier à faire non plus un truc de fou, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire, quoi, tout simplement. Quand j'ai fait mes sujets, tout ça, je me suis pas fait chier à faire un hôtel, par exemple, ou j'en sais rien, c'est des gros bâtiments, tout ça. C'est pas intéressant, je m'en fous. Moi, j'ai juste un truc, un petit problème, c'est au niveau des marchands. Je me suis fait un peu baiser parce qu'ils ont tous disparu, ces enculés. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas non plus très grave. Du coup. Voilà. Donc du coup là, bah voilà, on se met à table d'enchant, tout ça. Ah, donc autant dire qu'en lapisserie, j'ai quand même un petit peu, donc ça va. Ah bon, après, hein, pas non plus. Donc j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans tous ces blocs là. Essayer de rassembler le bac à peu près au même endroit. Voilà. Donc là, une bonne pioche. Malin. Ah ouais. Alors ça, c'est le code. Donc vous savez pas, hein, ça brûle pas. J'ai, enfin normalement j'ai. voilà, donc progression du feu, j'ai enlevé. En fait, je voulais faire un petit style comme ça. C'est marrant. Donc du coup, ça en fait, c'est pour le portail de l'Ender en fait. Ouais, donc pour le portail de, je sais plus quoi. Je crois que c'est l'Ender. Non, enfin, bon, je sais plus. Mais c'est pour le portail en tout cas. Portail avec les yeux là. J'ai noté comme ça au moins. Je suis sûr. Donc du coup. Ouais, donc ça je m'en fous. Ouais, donc après. Ah merde, du coup ça a brûlé le. Ouais, donc ça c'est pour les machins. Ok. Ouais, donc ouais, ça c'est pour. pour faire le succès aussi. Donc ça je vous montrerai après. Donc j'ai tout ça. Donc j'ai pas mal de bouffe, on va dire. Voilà. Bon. Du coup, maintenant je vous montre ça. Ça donne envie. Ouais, non, mais en fait, ouais, donc en fait, il y avait un bug à un moment où tu prenais tes blocs, puis tu faisais un truc dans l'artisanat. Mais ça se trouve, il fonctionne encore, mais je pense pas. Tu faisais un truc où tu mettais tout comme ça, puis après, non, je crois que ouais, tu mettais tout comme ça, puis après, tu faisais tes blocs assez rapidement. Attends, ouais, ça devait être ça, un truc dans le genre. Du coup, tu récupères un bloc en plus. Bon, on va essayer vite fait. On va prendre la moitié, voilà. Donc, on va voir si ça fonctionne. Bien, c'est la fin. Ah oui, voilà, non, oui. Effectivement, voilà. C'est ça que je n'ai pas dit. Allez, putain. Toc. Qui est là? putain, c'est assez long. Hop. On va faire avec les flèches, hop, vite. Ah bah, je suis déjà au fond. Ok. Ouais, par contre. Je fais n'importe quoi. Ou alors, ouais, non, c'était peut-être ça. Ouais, tiens, on va essayer comme ça. Putain, je m'en rappelle plus, c'est chiant. Donc, du coup, je vais essayer comme ça. Voilà, vous voyez, regarde. Ah bah, ça fonctionne encore. Mais c'est magnifique ce jeu. Donc vous voyez là, j'étais à 10, maintenant je suis à 11. C'est tout simplement magnifique ce jeu. Voilà, je suis à 12, voilà. Enfin bon, ça fonctionne encore. Donc bah voilà, en direct, hein, je vous montre que ça fonctionne encore. Donc ça fonctionne pour tous les blocs. Alors seulement en fait, faut pas y aller direct. Voilà, donc là, vous attendez un petit moment. Et puis après, hop, vous y allez. Donc après, suivant les blocs. Enfin, après, voilà, c'est avec l'habitude. Vous vous souvenez à peu près comment on fait. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait, du coup voilà quoi, mais bon, il faut attendre un petit peu, faut pas tout de suite y faire.
Bon, vous voyez, hein, voilà, ça fonctionne encore, donc et c'est comme ça que j'ai fait. Bon, par contre, c'est long parce qu'il faut avoir minimum. Je crois que j'avais minimum 9 ou 10 blocs de d'or ou de fer ou de diamant, tout ça. Sinon, vous pouvez pas le faire. À la limite, avec l'or, vu qu'il y a des pépites, il suffit d'avoir 9, 10 lingots d'or. Mais bon, malgré tout, pour le reste, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir des blocs. Donc, avant d'avoir 9 blocs de diamant, je peux vous dire que c'était long. J'ai dû chercher. Ça m'étonne même presque que j'ai réussi à avoir 9 blocs de diamant quoi. Putain, un truc de fou quoi. Je sais même plus comment j'ai fait. Ouais, j'ai dû chercher beaucoup à mon avis. Ok, d'accord. Coucou, quelqu'un? Non, ok. Non, j'arrête. J'ai rien fait. Oula. C'est pas qu'on dirait qu'il y a un bug, hein, mais un petit peu quand même. Ok, donc vous voyez un peu mon niveau. Donc j'ai pas fait grand chose non plus. Et donc là, j'ai essayé de me faire une petite boutique, mais bon. Ah, quoi que si, non, ça va. Je croyais qu'ils avaient disparu, je sais pas, ouais, peut-être qu'il y en a, ils ont disparu. Voilà, donc vous voyez là, on peut acheter de l'émeraude avec du poulet et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait moi pour avoir tous mes trucs. Avec de la laine blanche, c'est bien ça. Avec du blé, voilà. Avec du blé par exemple. Moi je crois qu'à un moment il y avait avec. Ah voilà, avec du papier. Du coup ce que je faisais, bah, enfin ce que je fais même. Ah, donc je sais pas si vous savez pour. À tous les deux 34, ok. 17 émeraudes. Et un livre. Protection 1, mais c'est tout pourri. Ok, non mais va te faire foutre. Donc du coup. Ouais, ce que je fais. Donc, pour ceux qui. Enfin, en gros, moi je savais pas avant. Mais il suffit de mettre ça là au bord de l'eau. Alors, sur du sable, je crois. J'en sais rien. Non, en fait, je m'en fous. Non, je pense que c'est ça pas d'important. J'en sais rien. Je m'en rappelle plus. Mais en gros, il suffit d'avoir une seule. Une souche ou je sais pas quoi là. Enfin, bon, voilà. Un seul pied comme ça. Et puis après, ça pousse jusqu'à 3. Donc du coup bah, ça permet quand même de gagner du pas mal de. Ah je sais plus comment ça s'appelle, vraiment de canne à sucre là, je sais pas quoi. Et donc du coup après il suffit de couper juste au niveau de là. Et... Enfin bon vous gagnez masse de canne à sucre et puis après bah. Après vous pourrez du coup faire des feuilles assez facilement et assez rapidement. Donc c'est comme ça que j'ai fait moi pour avoir de l'émeraude rapidement quoi. Voilà. Donc du coup. C'est plutôt pas mal comme technique. Donc voilà une petite technique comme ça. Si vous voulez l'approuver, il n'y a pas de souci. Ah donc là vous pouvez pas dire que on n'en gagne pas assez. Hein. Et plus vous faites, on va dire d'hectares, et plus vous en gagnez bien entendu. Gros vous multipliez par 3 ce que vous avez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça met pas non plus extrêmement longtemps à pousser. Le temps que vous faites vos choses et tout, vous revenez et puis après. Normalement, il y a au moins un étage qui aura poussé. D'accord, c'est en moitié buggé le truc. Ah mais non, mais j'ai plus de place. Oh, c'est-à-dire tout ce que j'ai cassé, putain, fais chier. Je sais même pas pourquoi j'y récupère, parce qu'au final, je vais pas sauvegarder. Enfin bon, donc vous voyez, hein, on en récupère plutôt pas mal. Et avec tout ce que j'ai pas récupéré, oh là là, j'en ai gagné plus de. Enfin bon, donc c'est assez rapide. Et donc du coup, bah, ça permet de pouvoir, on va dire, farmer. La canne à sucre. Donc du coup bah voilà hein, vous voyez que je suis plutôt paré pour pouvoir vous aider sur ce niveau. Ce qu'on va faire du coup on va prendre une petite carte vite fait. Voilà. Ah putain. Donc on va aller prendre le. Ah merde putain, je m'en rappelle plus. Ah, je vais juste vous montrer. Merde, putain. Je sais plus quoi faire. Je vais juste vous montrer le. La poubelle que j'ai fait. 2, 31, 118, ok. Enfin, 29, 31, 118. Donc là, c'est une petite poubelle. Si on a envie d'acheter des choses. Non, ma truc. Putain. Merde. Putain. Je fais n'importe quoi.
Voilà, donc là c'est mon petit élevage. Pour des petits œufs. Ah, c'est sympathique, je trouve. Ça, c'est bon, ça. Hop là, tu fais pas chier. Tiens, tiens. Oups. Putain, le seul qui spawn, c'est dans le bug. Bon. Ah, donc là, déchetterie, poubelle. Ah, donc vous voyez là-dedans, c'est là-dedans que ça atterrit. Bon, il y a des fois, il y a des œufs qui atterrissent là-dedans. C'est comme ça arrive. Voilà. Ouais, donc là c'est la poubelle et en gros, dès que ça s'est rempli, il dit mais il y a bien pas mal d'œufs là-dedans. Enfin bon, dès que ça s'est rempli, et ben après, du coup ça se bloque ici. Enfin ça se bloque ici. Du coup après ça va directement là. Et puis ça va là ici. Du coup après ça tombe là-dedans. Voilà, donc bon bah c'est une déchetterie quand même plutôt pas mal. Donc si jamais des fois bah vous voulez voir s'il n'y a pas des trucs comme ça un peu usés, ça peut être pas mal quoi. Genre une porte, par exemple, porte en fer, bon voilà. Moi j'en ai rien à foutre des portes donc. Je les ai jetées. Donc du coup, et bon, on va aller voir ça, c'est parti. Je me rappelle de 29 et 118, mais ça je m'en rappelle plus. Faut m'en sparer. C'est où? C'est où? C'est où? Eh ben j'ai pas mis d'ouverture. Bon, okay. C'est pas grave. Merde. C'est parti. Merde, merde, merde. Non mais je rigolais, je rigolais. Putain, non, aidez-moi. Putain, mais va plus vite. Voilà, mais il est lent, mais il est lent. Il est où? Oh merde, j'ai peur. Merde, il est mort, t'sais. Mais donc du coup, il est ici, non. Non, non, non. On va dire. Bon. Je suis pas dessus. D'accord. Ok. Non mais oui, bon, voilà. Pourquoi pas? Putain, non, non, ici, ici. Vas-y, mais comment je fais moi? Putain de ta mère. Oh là là, dis, hein, c'est pas possible ça. C'est un truc de fou, jeu. Aïe, non, non, mais je rigolais. Putain, je sais même plus comment on court, ça me saoule. Pourtant, je suis sûr qu'on pouvait courir. Attends. Non, pas comme ça. Non, non, je rigolais. Vas-y, reviens ici. Merci. Ouais, bien sûr, hein, vous avez vu. Hein. Merde, je me prive pas, hein, je mets du diamant de partout. Je vais pas me priver, ça c'est sûr que non. Donc du coup, c'est parti. Putain, bah, mais putain, je suis sûr qu'on pouvait courir. Hein. Non, merde, merde. Putain, vas-y, ça va être chaud là. Faut juste que je prenne ma carte. Oh, j'ai pas pris la carte. Ah, le gros débile. Ah, le gros débile. Allez, chasse au trésor, c'est parti.
Donc là, on est du 29, du 38, je crois, entre un genre, puis du 118. C'est parti. Vas-y, avance, avance, avance. Non, 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 non. Voilà. Ah ouais, mais à la limite, ouais, c'est vrai qu'on s'en fout un peu de... du Y, vu que c'est la hauteur, tout ça. Ah merde, merde, merde. Merde, c'était du moins ou du plus? Oh putain, non, je rigolais. Putain, du coup, j'en sais rien. Je crois que c'était vers là-bas, mais... Vas-y, et comment je fais moi du coup, hein? Comment je fais? Putain, mais intelligent ce jeu. Vas-y, ça sait nager, hein, machin, c'est bon. Oula, le vieux bug là. Je sais pas ce que c'est que ça. Mais oh! What? Tac, non. Ah, d'accord. Non, ok, d'accord, j'étais dessus. Ok. Je le voyais plus comme ça. Alors. Je me dis merde. Ah mais d'accord mais ça c'est... c'est nul. C'est trop mal fait. Ah non c'est mes bras en fait. Alors... ouais ça va être compliqué. Putain c'est nul les chevaux là. Y a pas des trucs qui volent là genre on prend le dragon et puis on vole avec. Ouh là là mais s'il est lent comme ça pendant tout le long ça va pas le faire. Donc du coup... Je sens que je suis allé à pied tout à l'heure parce que ça me saoule. Allez, noie-toi, mon petit. Ce sera mieux pour la compagnie. Putain, ni. Alors là, je sais pas où je vais, mais. Ah oui, donc c'est en allant là-bas que ça enlève. Ok, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, il m'a saoulé. Voilà. Non, ah, si faut que je mette 2 ans, je pourrais pas le faire. Donc tu me fais rien, ça sert à rien de me tâcher, de me toucher. Hein. Tu me fais rien du tout. Alors. Donc il me faut du 118. Parti. Aïe. Ah, c'est long, c'est long. Mais c'est long, dis donc là, c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti, les gars. On y est bientôt. Alors, 218, voilà. Puis qu'à mettre le 29, et c'est bon, on y est. Allez, oh, tu vas monter, oui. Puis je vois que dalle. Voilà, donc c'est vers là, voilà. C'est ici, je crois. Donc, normalement, j'ai déjà fait un petit trou. Normalement, je me même fait. Voilà, j'ai fait ça. Ok. Donc je me suis pas bien trompé, ok. Donc par contre... Oh non, sérieux là? Oh, mais... Putain! Ok, ça s'est fait. Bon bah les gars, moi je vous dis à tout de suite dès que j'ai fini de creuser tout ça. Oh putain, ça va être long les gars, attention.
Bon. Et ouais, du coup, on est arrivé à bon port, voilà. Alors, par contre, lui, j'ai mis longtemps à le trouver, c'est un truc de fou. Quand j'ai essayé de le chercher, oh là là, j'ai mis un temps, mais un truc de fou. Putain, merde, du coup, j'ai pas fait d'épée, moi. Ça, c'est l'intelligence, ça, les gars. Oh yeah! Putain, ils ont foutu des trucs de partout, c'est dans l'enculé. Non! Oh l'enculé! Direct dans le trou. Oh, vas-y, je suis un peu loin. Bon, on va essayer d'y aller, enfin bon. Donc, du coup. Ah ouais, mais j'avais déjà masse. Ah ouais, mais non, c'est parce que je viens de le casser. Ouais, c'est parti. Tum, 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 vous voyez, hein, je peux aller. Non, putain, hein. Voilà, donc, hop, oui, le dragon est pas mort, hein, donc, enfin, je l'ai tué, mais sauf que j'ai pas sauvegardé spécialement pour pouvoir vous aider à faire ce succès. Comme ça, au moins, vous venez dans la partie, on tue l'Ender et puis c'est fini, quoi. Pas besoin de se faire chier bien longtemps. Donc ça, c'est pas mal, ça. Voilà, donc si jamais hein, vous avez besoin d'aide, pas de soucis, vous me demandez. Bon, que sur Xbox 360, comme d'habitude. Voilà, donc le méchant est là. Voilà, bon, j'ai rien pour le tuer, donc ça risque d'être dur, mais malgré tout, voilà. Je veux rentrer chez moi. Vas-y, mais tu peux, toi. Putain, je peux même plus courir. Non, je rigolais. Non. M'en fous, tu m'auras pas, c'est moi qui t'aurai. Et je m'en fous, il m'aura pas, il m'aura pas, il m'aura pas. Non. Ouais, tiens, va te enculer, nien. Il m'a pas eu. Hop là, non, je me suis suicidé avant qu'il m'ait, quoi. Bon. Ouais, j'espère que cet extrait de ce jeu complètement fou vous aura plu, hein, malgré que c'était pas super passionnant. Enfin bon, voilà, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que je peux vous aider, que j'ai les compétences et le niveau juste pour vous aider, qui va très bien. Donc du coup, bah moi, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu, et puis à une prochaine vidéo. Ciao! Je vais vous expliquer un peu comment, par rapport à ce que j'ai fait, tout ça, comment j'ai fait pour le réussir assez bien, facilement, enfin, au fur et à mesure, j'ai appris des choses et tout. Donc, alors, dans un premier temps, je vais vous faire un récap un peu vite fait